Concernant la délibération suivante qui concerne l'eau potable, donc là, vous le savez, que nous ne sommes pas dans la délégation, nous sommes en régie publique qui vient de se reconstituer. Et cette régie publique, on en a fait un rapport d'activité l'autre jour dans son premier nouveau conseil d'administration, disons, a montré sa capacité. Une capacité que vous allez vérifier au fur et à mesure des délibérations, puisque si je compare, par exemple... Ah oui, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Quand sur l'assainissement, nous mettons 31 millions d'euros, les délégataires, eux, pendant cette période, n'ont mis qu'un seul million d'euros. Il faut le dire quand même, pour mesurer les choses. C'est la collectivité qui préside à cet investissement en utilisant la surtaxe dans un cas, en utilisant la recette globale dans l'autre cas. Il en va de même pour la régie, où la majorité des dépenses se font en investissement et qui tourne autour de 23 millions d'euros, qu'il faut comparer, disons, à ce qui s'est fait avant, lors de délégataires privés avant 2014. Et là, je voudrais saluer l'action de ma prédécesseure au niveau de la régie, Madame Galabrin-Boulbe, qui a continué ce travail pendant les trois années où elle était en responsabilité. Et ainsi, l'investissement va continuer. Et notamment, je pense qu'il faut réfléchir. Nous allons installer il faut sécuriser l'approvisionnement d'eau sur notre territoire, parce qu'il y a essentiellement la ressource aquifère du Lez qui est proprement importante et décisive. Mais il y a aussi d'autres petites ressources. Il y a une étude à mener aussi sur les réserves aquifères qui existent au niveau de la Mausson. Et vous verrez que dans les délibérations suivantes, qu'on présentera plus rapidement, vous aurez... vous en faites pas. Je serai très, très rapide. Donc on aura la possibilité de voir ces choses-là. Et nous voulons, nous nous lançons d'ores et déjà dans la construction d'une usine d'eau au niveau de Vallée d'Eau, qui va nous permettre notamment de sécuriser, et ça, c'est la délibération suivante, les communes de l'ancien Salaison, là, et qui ont besoin d'une sécurisation en eau. Et c'est un investissement de 23 millions d'euros qui va démarrer à partir de 2021. Donc voilà, nous, on aura l'occasion d'en discuter plus profondément. Donc j'espère que lorsqu'on abordera les questions de l'eau et de l'assainissement, nous serons un peu plus haut dans l'ordre du jour pour pouvoir avoir le temps de le développer.